Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfang pour un nouvel épisode de Starfield. Café. Appelez bon, c'est arrêté dans la grotte. Bon, j'ai juste avancé un petit peu vite fait parce qu'il y avait un mob pugué devant la porte. Il m'attendait devant la porte, mais vu que je suis apparu derrière lui, je l'ai abattu du coup. Bah, c'est les ambiances. Tout de suite. Tout de suite, les vraies ambiances. Voilà. Oula, je vérifie vite fait que l'enregistrement marche et tout, je vois qu'on est parti. Ah oui, j'avais vu qu'on était parti en mode 2 FPS, ça m'avait saoulé là. Donc moi je m'en fiche, on va descendre la qualité du jeu. Paf, on est en personnalisé, faible, 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 intermédiaire. Attends, on va jouer en qualité basse, t'es sérieux? Sérieux? J'ai une 2090 et on est à genoux là. Wow. C'est rigolo ça quand même. Faible qualité des ombres. Et sans la 5. Voilà. Ça ouais, je dis sans la 5. La sauce. Ah, ah, ah. Ah, j'avais pas vu ça moi. Et ils sont morts. Excellent. Qu'est-ce que c'est? Une tenue de mineur avec casque. Ou une bonne résistance atmosphérique. Ou ça m'intéresse beaucoup. Dis-moi que c'est un vêtement. Ou c'est une combi? Non, c'est un vêtement. Tenue fonctionnelle de mineur. Grosse tenue avec casque. Ah ok. Au lieu d'avoir du thermique et du corrosif, j'ai de l'atmosphérique et radiation. Ça me va très bien. Sans parler que ça a l'air d'être exactement le milieu pour. J'aime comment je ressemble à rien, bien sûr. Lumière? Action? Calmez-vous, hein. Gourde en acier. Un laboratoire pharmaceutique. Oh, je peux me fabriquer des dopes? Attelle, pansement, remède miracle, taux de récupération d'oxygène augmenté d'un pour cent, soigne les blessures cérébrales, les commotions, les coups de chaleur et tout. Ça va forcément nous être utile. Bah moi vu comment je me casse tout le temps, dès que j'ai une seconde pour me péter un truc, j'y vais. Hein. Attends, par contre je suis un grand fabricant de dope. Hein. Je suis pas sous un état particulier justement de manque d'oxygène ou je ne sais quoi là. Ouais exactement. Hop là. Et c'est un... Il me faut un... Ah n'importe lequel, ampli, attelle, n'importe quoi. Tout soigne mon truc. Ah non, c'est parce qu'on voit mon statut, ok, tout en bas. Pff, je suis un débile. Je vais y arriver un jour. Un jour je serai un peu moins con que la moyenne. Je vous le jure. Reconstitution, machin. Celui-là. Remède miracle. Du coup, faut qu'on fabrique d'autres remèdes miracles. Petite ventoline, mon gars. Et ça repart. Du remède miracle, je peux en faire d'autres? Eh bah non, je peux plus. C'est vraiment le truc que je peux plus faire. Ça, je peux en faire masse, quoi, genre... Non, excusez-moi, c'est pas ce que je voulais. La max. Voilà, et ça fait masse XP en plus, on est content. C'est nul. Évidemment, on va prendre tout ce qui dépasse du sol. Oui, alors, en plus vous allez pouvoir apprécier puisqu'évidemment j'ai fait un petit aller-retour donc je suis un peu plus léger, hein. Ça va de soi. Un petit déverrouillage d'expert. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Vas-y, vas-y, excuse-moi. Hop.
Oh, je me lance vraiment au pif, hein, parce que j'ai vraiment la flemme d'utiliser 3 neurones, non? Eh ben, c'est un échec. Puisque celui-là ne rentre pas. Oh là 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 là. Insérer le passe, ça ne passe pas. Annule. Ah, ça me retire des aligneurs. Ok. Oh, c'est pas très gênant ça. J'en ai. Ça serait plus un truc genre comme toi. Je prends des risques. Hein. Non, pas toi. Pourquoi toi? Y a pas d'idée avec ça. Tu peux rien faire. Peux rien faire avec ça. Et j'ai encore niqué toutes mes chances de réussir ou ça se passe comment? Ok, il me reste deux. Reste deux. Et je peux pas parce que je dois rentrer du 1. C'est marrant ça. Placement auto sur B. Quitter. Oui. Je perds un aligneur, c'est pas grave, je recommence. Je sais même pas si j'en ai perdu. Hein. Donc là on a 1, 2, 3, 4, 5 en coche. 5 en coche, ça doit être un 3 et un 2. J'ai qu'un seul 2. Et 3, il faudrait qu'il couvre ces 3 accès là. Ou alors c'est juste lui. Ça y ressemble pas mal. Genre lui et un 1. Vas-y, je prends le risque. Ok. Ça, puis un... Qui se touche les coins là. Est-ce que tu te touches les coins? Qui se touche les coins? Et toi? Et ici... Ici, il aurait fallu très probablement jouer un gars comme toi. Et un gars comme toi. Ça part. Et qu'est-ce qu'on a? Un rattler. Il a un peu de gueule. Mais le nouveau qu'on a, il est grave cool. Oliver Twist. Chapitre 1 d'Alu et Onaki Oliver Twist. Et des circonstances qui accompagnèrent sa naissance parmi les divers monuments publics qui font l'orgueil d'une ville dont par prudence. Ah oui, on l'a déjà lu. J'en fous, c'est un classique. C'est un classique. Non, mais soit vous nous mettez des livres entiers des grands classiques de la littérature si vous voulez, mais vous nous le mettez en entier. Voilà, enfin. Chapitre par chapitre si ça vous amuse. Page par page si ça vous éclate. Pas à faire avec, ça fait juste du bruit. Ah, c'est moi qui tire là-dedans. Atmosphère toxique. Donc les fameux champignons. Ok, ok, ok. C'est du plomb, on s'en fout. Attends, est-ce qu'on peut passer par là? Et passer de l'autre côté. Ouais, ouais, ouais. Bon, nous, du coup, on s'en fout, on en a des tonnes, hein, ça nous intéresse pas tellement. Cette histoire. Ah, c'est les gars qu'on a buté. Ah ouais, on a déjà fait le tour quoi. Ah oui, genre il y a personne d'autre. Merci, au revoir. De stockage, kit de pharmacie, ah oui, ils sont là. Attends, on te scanne d'abord. Pourquoi je veux pas scanner le petit machin? Je suis contente que vous vous occupiez de ce genre de tâches. Bah de rien. Pas l'air d'y avoir grand chose en bas non plus là. Ouais. Enfin, quoi que, on peut passer par là.
Non, pas vraiment. On va faire le tour, C'est pas que j'ai peur, c'est que j'ai pas une grosse guille. Donc je voudrais pas me choper une saloperie qui me bute là. Ok, des agents liquides, des trucs. Des trucs, des machins. Vous avez trouvé des trucs et des machins. Scott Mut. Ah non, c'est pas un dégât que j'ai buté ça. Alors attends, on va reboucler par là. Être un mineur. Un des caloboris. Mais non. Voilà, je vais juste recharger. Ok, donc là c'était l'autre côté du chemin où on a buté. Grâce à la formation de survie de Lucé, je sais que les grottes permettent de s'abriter des radiations cosmiques et des éléments. Trop cool. Trop cool. Hein ? Ah ouais, on passe déjà trop proche là. On peut pas interagir avec, c'est du décor. Je peux pas serrer 2 mètres. C'est abusif ça. La réparation de vaisseau pour les nuls. L'astuce pour réparer un vaisseau, c'est de faire preuve de pragmatisme et de savoir prioriser. Ah oui, ça on l'avait déjà vu. Pistolet légendaire qui fait du 10 dégâts. Je vois pas trop l'intérêt d'avoir un flingue qui fait du 10 dégâts, mais si tu trouves ça légendaire. Pour toi. Il n'y a pas une embrouille de par là, il y a un trou. Si, il y a des choses par là. Vous êtes un genre d'acrobate. Un truc qui est derrière. Ah, ça fait partie des trucs à. Ah, c'est de l'eau. Et on prend des risques pour de l'eau. Ah ouais, putain, on prend vraiment des risques. Hein. Ouh, ouais. J'ai pas très beaucoup aimé ça. Public d'Outo, mur douteux, volume 1. Toc Toc qui est là. Varun, Varun qui. Varun, Varun. Écoutez ce moteur. Oh, 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 oh. Maintenant on a la blague. Hein. Maintenant on a le contexte. On est bon. Hein. On est bon là. Quoi? Quoi? Ah ouais. On scanne. Hier. Dernière chance et Kéfir. Je sais pas ce que c'est dernière chance. C'est quoi? Note. Un truc qui s'appellerait dernière chance. Ouais. Depuis le temps qu'on prend de gros risques, Yara et moi, il y a intérêt à ce que ce coup-là soit le bon. On a visité trop d'endroits bizarres et examiné trop de cailloux curieux pour que ça échoue. C'est les derniers crédits qu'il nous reste. Du cadeau de papa, ça doit fonctionner, sinon il nous restera plus qu'à trouver un travail de bureau chez Argos ou un autre poste à la con. Ok. Jeter. Je t'offre un livre. Public douteux, tac tac. Et Kéfir, c'est quoi? C'est. Et des trucs qui rendent boisson à base de lait fermenté et qui rendent 4 points de vie. Ok, c'est formidable.
C'est un kiffin. Ok. Eh bien, tu es mort, Harry. Tout claqué, t'as tout essayé, tu t'es fait soulever. Ok. Bon, bah on connaît toutes ces plateformes. On est là en base de plomb. Hein. Bon, maintenant il n'y a plus qu'à retourner à la rentrée, à la sortie. Ou à l'entrée, comme vous voulez. Sans mourir. Donc on n'est pas descendu tout en bas, mais vraiment là, il n'y a rien à y avoir. Hein. Alors juste un nuage de sport. Ouais, c'est lui qui était à l'entrée. Le gars bugué de l'entrée. Je vous présente le gars bugué de l'entrée. C'est mon ami. Oh, ça charge, ça avait du temps. Hein. C'est bien, ce jeu me promet un nombre d'épisodes infini. pour le pire, vous allez me détester. Même si à première vue, on a quand même bien fait le tour de cette planète quand même. Putain, j'en ai marre de voir ce truc où je prends des dégâts là. J'ai une combi, normalement je devrais pas prendre de deg. Je suis deg. Bon. Ah, il fait jour. Très appréciable. On se rappelle donc qu'il y a une station là-bas. Ah, il est censé y avoir plein de choses. Alors, si j'enlève ça. J'ai déjà oublié c'était quoi le raccourci pour me voir directement sur la minimap. C'est explorer. On peut se taper là-bas. Hop là. Je peux me gêner. Hein. Je ne me gêne point. Il va pas y avoir grand chose puisque même si je voudrais perdre mon temps à tourner autour, je crois que la planète est explorée à 73%. Je sais plus. Ouais, on va check sur la map là, ce qui nous dit. Du coup, j'avais même pas regardé pour Pete, on était à combien. Faites gaffe à votre combi. Ah, il y a une mine abandonnée, on a 79%. Il y a une mine là-bas abandonnée. Et on ira. Non, mais c'est bon. Coup. Un seul trou et c'en est fini pour vous. Oui, j'entends. Bon, on va vers cette grotte là. C'est pas ma qualité graphique qui fait que ça charge pas le son quand même. Faut pas déconner. Attendez, ceci c'est un labo. Bougez pas, il y a peut-être moyen de dormir une heure là. Pour reconstituer mon état de santé initial. Donc je suis pas passé par là sur cette. Ça, tout à repop. Il y a des credos et tout qui sont revenus. Et le jeu t'es pas clair. Le jeu t'es pas clair avec toi-même. Le jeu t'es flou. Hein. Le jeu, on a beau essayer de te regarder. Ça me narre. Ça, ils adoraient déjà faire ça dans Fallout. Hein. Ça m'énerve un peu. Hein. On va tout vider. Hein. Oh, des gamelles quoi. On pesait 100 tonnes quoi, je vais aller dans la grotte, je serais déjà trop lourd. Alors, c'est pas mon cadeau ça? Où
ça aussi c'est rechargé. Oh parfait, allez, kit de soins, j'en avais besoin, j'étais pas bien. Ça me va. Un petit sandwich alien. C'est moi qui régale. Voilà. C'est le chef cuisinier qui régale. Alors du coup, il y a des habitants là-haut, il y a quoi? Parmi des flingues. Ah non, j'avais vraiment juste... J'étais juste pas allé en bas ou juste pas fouillé le bas, quoi. Moi, je suis le pire. Inspection bientôt. Get it together, people. Reminder, clean your space. Suites after each use. N'oubliez pas de nettoyer votre cul. Enfin, votre combi. Après chaque... utilisation. C'est pas trop tôt. Allez, on se réveille. Je suis en forme, cool. Le mec a dormi 2 heures dans sa vie pour digérer du plomb qu'il a pris dans la gueule. Je suis en forme. J'ai jamais été autant en forme d'ailleurs. Oh non. Je me suis fait douillette. Oh non, non, c'est bien quand il faisait jour là. Oh non, non, ramène-moi le jour là. Oh le jour c'était cool. Non, 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 donne-moi un lit là, je veux le jour, on en a marre d'être dans le noir là. Ouais, fais un truc comme ça là. Oui, mais le problème, c'est que les rotations ne sont peut-être pas forcément les mêmes que sur Terre. Genre là, normalement il fait jour. Vous vous êtes bien reposé ? On peut voir une fenêtre, un truc, un machin, non? Bon bah, on va se taper de la nuit noire, voilà, c'était cool, hein. J'avais espéré avoir autre chose que du noir obscur à vous offrir, mais ce sera du noir obscur. Cycle lunaire oblige. C'est vrai qu'on se bute hyper vite, le poids, la Mars. Les ramages, quoi. C'est bon, quoi. Alors vraiment, il va falloir que je me rachète une Nvidia juste parce que ce jeu est mal opti, quoi. Parce que quand même, faut pas déconner. Tiens, tiens, tiens. Faut pouvoir s'ajouter un site d'atterrissage à la liste. Mais il y a encore une autre structure. Attends, le jeu nous cache des choses. Il me dit que j'ai découvert la planète à... Ah, c'est ses habitants à 79%. Ok, let's go. Une grotte. On va aller récupérer un peu de ressources ultra rares. On va peut-être trouver un habitant. Elle est là, on va entrer une grotte. De stockage là-bas. Comment j'y accède là-bas? En faisant du parcours, je me suis bien raté.
normalement ça va se régler en parcours. Hein. Oh, comment on y voit que chi par contre. Dommage qu'on ait pas vraiment la possibilité de poser genre des packs de lampes. Mais pourquoi il saute pas cet abruti? Ah si, il saute, mais on est beaucoup trop lourd. Hmm. On peut pas vraiment l'atteindre. Peut-être des trucs astuces et solutions, mais là, je les ai pas. Faut peut-être avoir une compétence d'athlétisme qui te permet de sauter encore plus loin, ou de Yamakasi, ou de Yamakasa, ou de Yamakasos. Ah putain, mais il veut pas sauter hein. Il se laisse tomber quoi. Ah oui, faut le jetpack. Non, c'est bon. Fallait juste mâcher la barre espace comme un gros tarte parce qu'effectivement il y avait un rebord. Ok. Votre jetpack n'a pas fonctionné. J'ai pas la compétence jetpack connasse. Voilà. Ça permet de répondre à tes questions. Ça sert à rien. Voilà. C'était grave bien hein. Terminados. Et on sait qu'on a un vaisseau qui s'est posé. Là-bas, on a la structure, mais on a un vaisseau qui s'est posé quelque part. Je vais me mettre, je vais prendre la hauteur un peu. Pour en voir. Pas moyen qu'on sache il y a combien de des traits. 0 sur 3. Je sais pas c'est quoi les traits. Non. Ouais ouais, supplie. Ok. Non mais tais-toi. Voilà, merci. Ok. Let's go voir cette structure. Le vaisseau a dû se poser là parce que sinon je vois pas où est-ce qu'il s'est posé, ou alors très loin. En vrai, ça ressemble pas à une base alliée, mais j'aimerais que ce soit une base alliée pour que je puisse leur vendre mon merdier avant d'être beaucoup trop lourd. Je me vois pas trop faire l'aller-retour là à pied. Ça va finir comme mon dernier aller-retour, je vais tout prendre, je vais tout jeter par terre, téléporter, revenir, je vais faire des téléportations en jetant du bazar par terre. Donc le terrain est miné. Ok. Ou a été miné. Donc quelqu'un a sabordé cette structure. Intéressant. Lieu de ravitaillement.
Mode de stockage, il y a un objet rare dedans. Fusil qui traîne, et il reste même pas les cadavres quoi. Ok. Raptor de l'avant-garde. Bon, techniquement, le mec est un allié. Je dis bien techniquement. Allons voir ce fameux raptor de Lucé. T'es sur le pont. Ouais, je suis sur le pont, d'accord. Formidable. Mais encore. Est-ce que je peux voler? Ah ouais, c'est du vol. Il est plutôt joli son vaisseau. Yo mec. Faites comme chez vous. Les visiteurs sont les bienvenus sur mon vaisseau. Tant qu'ils respectent les règles. Ah, c'est bon de voir quelqu'un qui se bat sur le front. C'est bien ça l'avant-garde, non? Les premiers de la classe. C'est aussi vous qui vous faites tirer dessus en premier. Mais bon, c'est le prix de l'honneur et du courage. Vous pouvez me passer la clé à molette là-bas? Ah non. Ah bah non, sans les brunes. Oh, je travaille trop. Je commence à voir les choses. Tu voudrais pas acheter mon bordel? Je vais pas sortir mon pistolet. J'ai pas perdu la main, vous savez. D'accord. Ok. Donc là, c'est ses apparts. Ah, par contre, le fait que le bonhomme traverse tout le temps les échelles, ils auraient peut-être dû placer les échelles à gauche plutôt que de les placer à droite, du coup. Enfin, ils auraient été forcément embêtés au bout d'un moment, mais bon. Ok, bon, bah c'est un ami qui ne nous sert à rien. C'est bien dommage. Ça aurait été cool. Maintenant, je vous invite à aller visiter, paf. Ouais, ça, voyage. Voilà, bam. Directement le site abandonné. Site mini abandonné. Je sais même pas comment on l'a découvert. S'il y a des points qui apparaissent comme ça, je sais pas ce que c'est. Alors par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'en off, j'ai déchargé une partie du vaisseau. Et j'ai vendu une grosse partie du plomb ou des choses comme ça. Ça lui a fait le plus grand bien. Ah, je vois du rouge. Trop tard, je tirais comme un débile.
spaciards, c'est genre des pillards mais de l'espace quoi. C'est rigolo que je viens de trouver. Je suis en surcharge. Ah. Flûte. Ça n'est, on est à ce moment fatidique où je suis en surcharge. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. La Fifi n'est pas en surcharge. Oh, pas mal. Joli. Joli le casque de reconnaissance avancée. Il a un petit swag, hein. Il a des petites compétences surtout, hein. Donc c'est celui-là, casque de reconnaissance spatiale. Mon atmosphérique elle est à 20, 40, 40 on descend à 38. On gagne 2 d'énergie, on perd, ah oui, beaucoup beaucoup de physique, c'est vrai que je me suis mis beaucoup de physique comme un gros sac. Bon c'est un choix, j'avais choisi de me mettre beaucoup de physique. Si je suis le mec, on n'ira pas agresser le corps à corps. Il est où mec? Je crois qu'il y a un mec qui essaie de nous tirer dessus. Hein. Pas formel, hein. Mais ça a l'air. Hein. T'as bien industriel? Je sais. On peut utiliser ceci pendant un combat. Mmh. Oui, bah oui. C'est un peu logique. Je dirais qu'il y a un sens. Il y a un sens. Il y a un sens à ce qu'il m'a dit. D'alarme. Je pense que l'autre il est là-haut. J'ai envie qu'il soit là. Merde. Je crois qu'on prend feu. Je vais crever. Non, c'est quand même dommage. J'ai besoin de quelqu'un pour porter mon équipement. Je suis ravi de vous décharger. Oula, dit comme ça. Non, mais dit comme ça. Hein. Le cocher. Fouet de cocher. Couteau de combat. Oh. Ça vend des choses, hein. Oh, intéressant. Il n'y a pas genre un flingue qu'on a en 257. Non, on n'a pas l'air d'être spécialement surchargé de flingue. Pourtant, il dit qu'on en a quand même 21 là. Ah, 21 là. Ok. Trouve autre chose, des sacs. Ça, que ça pèse lourd, ma fille. Amuse-toi bien. Des casques. Les casques, ça pèse lourd, ma fille. Amuse-toi bien. Des soins, ça pèse rien du tout. Je les garde. Les ressources. Oh, ça pèse. C'est variable. Mais il peut y en avoir beaucoup. N'hésite pas. Serre-toi. Rien que les sacs à dos, ça nous a soulagé. Les sacs à dos qui prennent une place de dingue. Plus de place du tout. Ouais, c'est fini là. Ouais, c'est déjà bien. On se voit plus tard. C'est ça, on se voit plus tard, comme tu dis. T'as pas d'autres mines. T'as pas d'autres petites surprises qui se baladent. Il y a une sorte de gros proto-méga réacteur. Ouh, des outils. À moi. Distributeur d'hélium. Ah, ça récupère de l'hélium. C'est pour ma gueule. T'explique bien que c'est juste pour moi en fait. Ok. Ah, c'est mon vaisseau. J'ai même pas vu qu'il l'avait posé, c'est con. Caverne à flanc de colline. Je connais pas la caverne à flanc de colline, pas vu ça. Alors, il y a une autre structure là-bas ? Mais non mais attends... Animal, végétal ou minéral ? Mais ça s'arrête cette planète à un moment donné, moi j'ai cru que c'était juste un caillou étape quoi, avec genre 3 conneries dessus, on était content. Les gens ils ont dit, les planètes elles sont inintéressantes, y a rien dessus, c'est de la merde. Ça c'est ce qu'ont dit les gens dans la critique hein. Bah pour l'instant je trouve ça plutôt cool moi. Hein.
Moi je me dis, chaque planète, il y a un monde de gaming incroyable qui se déploie. Hein. Moi je suis très content. Moi j'ai gagné un fusil qui tire du 7.7 là. Vraiment. Ça a l'air rigolo ça. Ça, ça a l'air de promettre des choses. C'est quoi ? C'est moi ! Je peux pas te cacher derrière ta vie toute ta vie ! Pauvre con. Allez, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Coucou, c'est le dépouillator. Sandwich au fromage. Dracula. Journal de Jonathan Hacker. Sténographié. Bistritz. 3 mai. Quitté Munich à 20h35. Le 1er mai. Arrivé à Vienne de bonne heure le lendemain matin. Nous aurions dû y être à 6h46. Mais le train avait une heure de retard. À en juger par ce que j'en ai pu apercevoir du wagon, et d'après les quelques rues où je me suis promené, une fois débarqué, Budapest est une très belle ville, mais je craignais de trop m'éloigner de la gare. Malgré ce retard, nous devions repartir comme prévu. Juste l'impression très nette de quitter l'Occident pour entrer dans le monde oriental après avoir franchi les magnifiques ponts du Danube. Ces modèles d'architecture occidentale, le Danube ici, est particulièrement large et profond. On pénètre immédiatement dans une région où prévalent les coutumes turques. C'est ainsi que commence le chef-d'œuvre de Bram Stoker, Dracula, paru en 1897, un livre qui définit l'horreur pour des générations à venir. La préparation de vaisseau pour les nuls. Non, ça c'est bon. Vas-y, croc-croc, méchant, Moby Dick. Ah non, Moby Dick, on l'a pas lu, on va lire le petit morceau de Moby Dick. Vive la culture et l'agriculture. Moby Dick. Note. Moby Dick. Moby Dick. Appelez-moi Ismaël. Voici quelques années, peu importe combien. Le porte-monnaie vide ou presque. Rien ne me retenant à terre. Je songeais à naviguer un peu. Et à voir l'étendue liquide du globe. Et ainsi se poursuit le récit classique de Melville sur la vengeance de l'obsession pour un total de 341 pages. Comme quoi, quand ça vous obsède, hein, ça fait couler de l'encre. Toc. Qu'est-ce que c'est? Un aimant super refroidi. Waouh. Parce que des fois, ils sont un peu chauds. Des fois, ils sont tiédasses. Piquer des trucs, des machins. Ah, j'ai peut-être piqué un truc qui pouvait se lire. Attendez, j'ai peut-être piqué un truc qui pouvait se lire. Calepin numérique, t'as des choses à raconter? Non, rien du tout, c'est juste un calepin numérique. C'est juste un calepin mais qui vaut encore plus de fric, les gars. Ça, c'est trop bien. Un chant de Noël. Premier couplet, le spectre de Marley. Marley était mort pour commencer, là-dessus, pas l'ombre d'un doute, le registre mortuaire était signé par le ministre, le clerc, l'entrepreneur des pompes funèbres et celui qui avait mené le deuil. Scrooge l'avait signé, et le nom de Scrooge était bon à la bourse. Quel que fût le papier sur lequel il lui plut d'apposer sa signature, le vieux Marley était aussi mort qu'un clou de porte. Ce roman court de Charles Dickens, publié en 1843, considéré comme son œuvre la plus célèbre, raconte la rédemption du triste avare Ebenezer Scrooge, après que ce dernier reçoit la visite de quatre esprits qui le forcent à analyser sa vie et les choix qu'il a fait tout au long de celle-ci. Oh, comme quoi même les pourris ils en ont au paradis. Le monde douteux, volume 1, ça en fait une. Un aigle mutant extraterrestre entre dans un bar à Aquila City. Le barman demande: qu'est-ce que je vous sers? Sers, S-E-2-R-E. Excellent. Excellent. On n'arrête jamais les progrès de l'humour. Bordel. Désolé. Je voulais taper la porte, hein. Vraiment, hein, je suis désolé. Dans cette tête, madame, c'est vraiment, je suis désolé. J'ai dit que j'étais désolé, madame. Je vous ai pris pour une porte. On va faire du parcours. Us.
attention où vous mettez les pieds. Les mines de ce genre peuvent être terriblement instables. Comment ça, les mines de ce genre? Ah oui, les mines mènent le bâtiment. Ouais. Moi, j'y étais pas. Il y a encore des petites patates chaudes par terre, là. Au secours. Ok, ça a l'air plutôt safe. Safe and secure, you know. Non, je peux aller me chercher son... non, je vais aller fouiller l'intérieur avant de me servir son truc d'architecture, là. Je pense qu'à ce stade, je vais juste renommer les épisodes en nom par planète. Ça va être le plus simple. Hein. Je pense que ça va être le plus simple parce que là, ça va commencer à être fouillis. Si quelqu'un vit ici, c'est qu'il n'aime pas les intrus. C'est possible. En même temps, je dirais que la mine à l'entrée nous a peut-être mis la puce à l'oreille. Qui fait du 18, c'est mignon. Un ordinateur. Statut d'interface du robot inactif. Activer les unités, vas-y, je vais me friter un robot. Vas-y. Il a des petits potes un peu partout dans la caverne. Alors, il y a pas ça. Normalement, c'est le moment où on peut jouer ici, où je prends le sniper. Mais j'aime bien saucer comme ça, comme un débile. Là. Je regarde même pas ce que je tire, mais je tire. Du coup, c'est un peu rigolo. Voilà, on les a tous refroidis, ça s'est bien passé. Ça se trouve qu'on tue des braves gens, hein. C'est même pas. Hein. Les mecs, ils sont dans une vieille mine abandonnée, ils profitent, ils kiffent, c'est pas. Hein. On est en train de dire, ouais, c'est les méchants, c'est les machins, mais ça se trouve que. Juste, ils récupèrent une vieille mine, quoi. Pas trop mal ta combi. Elle est mignonne, disons. Du plomb, j'en ai marre de voir du plomb, merci. De l'eau, je veux bien. De l'eau, je sais pas, mais je vais pas trop en avoir tant que ça. Je prends de la flotte. Ok, let's go, c'est parti. Oh, je pourrais sauter. Oh, je crois que je vais sauter. Ah bon, non, en fait. C'est quoi? Étape d'armes. Ah oui, mais j'ai toujours pas le droit d'améliorer mes flingues. Je crois. Ou j'ai pas la compétence pour. Un peu dommage, quoi. Le jeu, il t'a regardé, il t'a dit, regarde, t'as vu, tu peux faire des tas de choses. Mais t'as intérêt d'être niveau 100. Sinon, t'as pas le droit. Dommage. C'est pas mon cas. Pas de couillon enfouillé ici, non? Pas non. Pouette. Ok. Ah, il y a de couillons, mais ici. Ok. De la bouffe. Bon, toujours de la bouffe. De la bouffe, c'est bien. De la bouffe, ça coûte cher. De la bouffe, c'est bien. Ça rapporte masse. À faire, ça c'est juste des machines. Là où normalement on a buté un autre gars qui a explosé. Qui... Voilà, c'est lui. Voilà. Un public douteux, humour douteux. Ah, volume 3! Non, mais volume 3, les gars, ça régale. Alors, un homme entre dans un bar avec un croc de chez Chunks dans la main. Le barman lui dit: on n'accepte pas la nourriture ici. L'homme s'assoit et dit « Parfait, alors je n'en ai pas sur moi. »
C'était incroyable comme blague. Voilà. Après tout, les crocs, on sait pas en quoi c'est fait. Hein. On sait pas si c'est vraiment de la bouffe. Hein. Ah, un calobore. C'est qu'il est censé faire chaud ici. Je te savate ma gueule. Non mais oh, je veux pas transférer dans le machin, je veux recharger mon flingue. Toi, il va falloir mettre des commandes vocales dans le jeu pour dire je souhaite recharger flingue. Mallette d'armes. Elle est verrouillée? Oh non, dommage. Un petit verrou vite fait, un petit verrou sympa quoi. Un verrou younet. C'est un verrou mais en plus petit et en plus mignon. C'est bien qu'il y a un... Non mais... bah y'a rien d'autre, y'a R hein, qui dirait l'autre. Y'a R mais c'était bien hein. C'était très appréciable. Et il nous reste encore bah non, puisque lui on a fouillé là. On l'a fait toi. Y'avait rien au bout de ta mine hein. C'est juste une mine en mine quoi. Exactement juste ça quoi. Ah, je suis en surpoids là je crois. Ça surpèse. Ah ouais, je suis un poil trop lourd. Je pense qu'on commence à traîner beaucoup de flingues. Ouais, courir avec une surcharge m'épuise rapidement. En effet. En effet, en effet. Ouais, normalement, c'est la planète analysée à 79%. Faune flore, aucune. Tac, tac. Mais il n'y a pas moyen de... Parce que genre, j'ai découvert cette mine, mais en fait, j'ai pas découvert cette mine. Je sais pas trop. Bah, on va ressortir à la surface. On va voir, en fait, si on voit cette structure de loin sur la carte. Ah ouais. Alors, on est en train de se suicider là. Doucement sur le suicide. Je me demande si cette grotte est artificielle ou... Ah, c'est une mine, donc oui, elle est artificielle. Même si à la base elle était naturelle. Il paraît que le minage d'astéroïdes est l'une des activités les plus dangereuses des systèmes occupés. Ah oui, on voulait voir ça aussi là. Je voulais voir ça. Ça. Établi industriel, qu'est-ce que c'est que ce truc? Établi industriel vous permet de fabriquer des composants et des matériaux de construction basiques pour vos avant-postes et les modules de vos armes et de votre équipement. Vous pouvez acquérir les ressources brutes nécessaires à l'obtention des composants de construction basiques sur les planètes et les lunes en créant un avant-poste et en installant des extracteurs de ressources. Les composants plus avancés doivent être créés dans un fabricateur à un avant-poste. Ok, donc je peux fabriquer des éléments, un collecteur en eau testine. Je m'en refais un, ça me fait plaisir. Je vois ce que vous avez fait là. Un câble zéro, je pense que j'en ai déjà. Ça, j'en ai aussi. Ça me parle pas. On va se faire un monopropor gold, un polytextile. Moi, je peux même pas. Un relais de com, je crois que j'en ai plein. Un rhéostato. Ouais, enfin, des trucs quoi. On peut fabriquer des trucs, des machins. Des structures adaptatives, d'accord, ok. Des trucs dont on sert dans les composants de fabrication du vaisseau. Ce qui est pas déconnant, en fait. Ça dépanne bien. Mon vaisseau est décalé là-bas. Hop. On va aller poser du foutoir dans le vaisseau. Même si je crois que le vaisseau il en sature. Oh bonjour. Viens tout faire le tour ici. Un petit sac. Allez, ça se prend. Grotte à flanc, donc du coup on n'a pas vu la grotte, on n'a pas encore vu la structure. Ni l'autre qui est là-bas là. L'autre grotte qui est là. Putain, on a révélé trois nouveaux points. C'est dingue. C'est
C'est assez dingue. J'aurai quelque chose pour vous quand vous aurez un moment. Ouais, mais j'ai pas envie que tu me donnes des trucs, j'en ai assez. Garde-le dans ton inventaire imaginaire, ça me va très bien. Voilà, celui du vaisseau. Donc là, moi, si je prends le mien, je fais déjà rien que transférer les ressources, genre stockade. Y a plus de place. Y a plus de place dans le vaisseau. Le vaisseau est plein uniquement de ressources. Je comprends pas pourquoi. J'ai mis une tonne de stockage dessus. Et le vaisseau, il peut pas stocker. J'ai envie de m'énerver. Mais je vais rester très calme. Voilà, c'est mon cockpit. Super. Avec, bien sûr, l'organisation de mon vaisseau incroyable qui fait que je peux passer mon cockpit. Vraiment, y'a rien qui va. Y'a rien qui va. Ce vaisseau, c'est de la merde. Faut que je le refasse. C'est de la bonne grosse daube. Ah, je peux te stocker des trucs ici. Genre mon vaisseau il est parfait. Genre mon vaisseau n'a aucun défaut. J'en étais sûr. Je sais pas qui se permet de mal parler de mon vaisseau. Il est vraiment parfait. C'est vraiment insupportable la médisance des gens. Stocker du son aussi en mode concours, ouais, ça fait comme un concours. Allez, let's go. Hein. Faudrait juste que je garde ça. Le reste, on peut poser. Ressources, bah du coup, on va poser toutes nos ressources dedans. Ah ouais! Non, mais cette boîte, elle est formidable. Hein? Ah, le conteneur est à son maximum. Non! Non! Pourquoi? Pourquoi il y a un maximum à tout? Mais on est plus léger. On peut se permettre de se faire des choses. Elle est où l'autre cloche? Je sais pas. J'ai perdu l'autre cloche. Pas grave. Parce que bon, elle était surchargée donc. La pression dans la combinaison est. Si, il faut être qui en le route porte. Pour l'aventure. En avant pour l'aventure. Ouais, let's go, mais let's go. Alors, attendez, j'ai perdu un truc. Là, il y a une structure. Ah, j'ai perdu les grottes, comme d'hab, c'est ça. Là, il y a une caverne à flanc. J'en ai trouvé une. Et une grotte. Ok. Let's go, la structure. Alors, let's go, la structure. Oui et non, puisque... Ah non, on est vraiment dans une autre région, quoi. C'est une autre région. Normalement, il y a les trois dessus. On devrait voir les trois. Ah, on voit pas les trois. Non, mais... Bon, ça. Structure, elle est identifiée. Caverne à flanc de colline auquel elle n'était pas marquée. Et elle est scannée aussi, c'est bon. Et là, normalement... carte de la surface EG, voilà, c'est ça. Et on l'a retrouvée. Voilà, ok, c'est bon. Je vois que j'en ai une dans le dos. Ça marche. On va aller voir l'hyper méga structure. Allez. Oh, par contre, dommage que la gravité soit aussi lente parce que vraiment. Elle est grande, il y a plein de trucs dessus soi-disant. Après peut-être qu'en vrai cette planète là est intéressante parce qu'elle est justement un croisement que t'es plus ou moins obligé d'aller mettre tes pieds dessus. Et peut-être que la commu a raison et qu'en fait les autres planètes sont vraiment pas terribles. Vigilance gardée, nous devons. Ah, des petits puits pétroliers, du plus bel effet. On a l'air d'avoir vécu un sale moment, visiblement. Il y a une belle atmosphère quand même. Hein. Juste dommage qu'on se les caille un peu, quoi.
Non mais je suis sûr que dans le sol là il y a moyen de trouver un peu de géothermie des plus agréables. Ça doit se faire. Ah bah c'est le même que sur Creek. Creek. Ah, excusez-moi. Ah, excusez-le hein. Gazo du duc. Des crédits. Ça fait toujours plaisir. Spacieux scotch. Et des crédits. Ok. Juste des thunes. Ça fait toujours plaisir. Hein. Je dis pas, hein, mais. C'est un peu l'âge. Il y a des toutous. Il y a des tas de ferrailles. Ok. C'est quoi, c'est si j'accède à votre propriété, vous allez m'emmerder, c'est ça? Et en bas, il y a des humains. Hostile potentiel détecté. Activation des protocoles de combat. Certes. Ah, ça sent le racket en bonne et due forme, ça. Je reconnais. J'aime ce style. Là, ils sont en train de négocier des trucs. Ouais, donne-nous ton exploitation, donne-nous tout ce que t'as. Et... c'est le gars, il essaye d'en placer une. Non, mais c'est pas que je veux. Arrête de réfléchir, connard. Donne tout ce que t'as et tout. Non, mais vous voyez ce que je... on me la fait pas, moi, hein. Eh, regarde mon doigt, et puis hein, et je m'en prends une dans le dos. Et en fait, pendant ce temps-là, il y a un gars qui est derrière en train de tout dépouiller. Mais c'est juste de leur dire, non, mais c'est pas que je veux pas vous le donner là, mais il y a un gars qui est en train de tout pouiller là. Il se barre avec tout. Sans plus grand des calmes. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passait sur site. J'espère que vous avez pas besoin d'outils pour travailler. Hein. Enfin, vraiment, votre matériel il est tout feneux, il se clip d'ailleurs. Ah, ils se visent pas, enfin voilà, vous avez besoin de rien quoi, ça s'assemble tout seul quoi. Parce que vous avez plus d'outils en fait. Ah, le coffre qui va bien. La boîte de stockage avec son mini soda, très bien, impeccable. Un petit tour par cette boîte là au cas où il y aurait quelque chose. Non, rien du tout. C'est bien, très joli site. C'est léger, c'est agréable. C'est aérien. Voilà. Ça raconte une histoire, tout ça quoi. Eh bah non, c'est juste des gens qui s'entraînaient sur des tas de ferrailles. Ça trouve est une occasion de s'améliorer dans notre domaine. La violence. Votre coup, capitaine. Mais rappelez-vous, si nos méthodes sont guerrières, nous voulons la paix. C'est concept. Je cache pas que je trouve ça un peu concept. Voilà. Non, il n'y a pas besoin de faire ça. Il y a juste besoin de faire G. Alors c'est F puis G. Ouais. Quoi? Non mais F. Voilà, je peux voir, montre-moi les choses là. Puis G. T'as bugué le jeu? Ok. Ça c'est pas grave, j'en vois une... par ici, on voit sur le radar. C'est ça qui est marrant, c'est qu'on le voit pas à nous, mais le radar le voit. C'est genre par là. Genre, on le voit toujours pas, ce serait un peu dommage.
C'est marrant ça comme bug. Toujours bugué ? Ah voilà. Voilà. Il suffisait de refaire M pour tout réparer. Voilà. Du coup, on le voit maintenant ? Ah, on le voit. C'est lent. Vraiment, si je devais commencer à relever vraiment les défauts de ce jeu, je dirais que ce serait plus encore un défaut à la Bethesda du genre. Il n'y a pas de monture, il n'y a pas de voiture, enfin, on est éloigné de toutes les possibilités que peuvent nous offrir un GTA par exemple. Et c'est un peu dommage. Alors certes, un GTA permet pas de construire des villes, c'est un choix. Mais je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, quand tu fais un jeu et pas prévoir de moyens de locomotion, où littéralement je suis obligé de me déplacer comme ça, comme un débile, c'est quand même rétrograde. Je sais que là, principalement, si les gens râlent, c'est parce que, effectivement, moi, je joue un peu un classique du style Bethesda. Hein. Non, mais arrête de courir. Et que forcément, bah, ça plaît pas forcément à tout le monde. Puis, je peux comprendre que les gens, entre quand ils ont joué à Skyrim et il y avait des chevaux et des dragons, on pouvait monter un dragon, on rappelle. Quand ils arrivent là-dessus, qu'il n'y a qu'un seul vaisseau qui, en gros, sert ni plus ni moins que de point de téléportation, parce que naviguer avec, c'est chiant, et qu'il n'y a pas de raison de le faire, et parce que, justement, je peux pas me poser n'importe où sur une planète. En fait, voilà, il manque ça. Il manque la possibilité de scanner la planète. Alors, peut-être que les plus gros vaisseaux peuvent le faire. De voir tous les points qu'il y a dessus. Et de pouvoir choisir où se poser. Comme on l'a vu sur Crete. Il y a quand même des endroits genre je peux pas me poser parce que il y a une piste d'atterrissage, il y a tout ce qu'il faut et je peux pas me poser parce que le jeu il l'a décidé comme ça. Ouais, j'allais passer par dessus mais on s'en fiche, c'est une caverne, on veut s'entrer dedans du coup. Oh, c'est juste une grotte. Bon. Mais c'est une grotte à 20 XP. Et ça aussi, par contre, c'est très appréciable dans le jeu. C'est-à-dire que, bah, il t'invite à l'explorer, puisque tu gagnes beaucoup d'XP à aller voir tout ce qui traîne ici et là. Tungstène, trop bien. Alors ça, trop bien. Un tas de cailloux, ok. Fluor. Ok. Ouais. Bon, un cul de sac, hein. Il y a un autre cul de sac, il n'y a pas plus. Ok. Très bien. Par contre, je dois avouer que c'est presque dommage qu'ils aient pas mis des bestioles dans les... dans certaines cavernes, dans les cavernes de prédateurs, parce que c'est un petit swag quand même de se dire « Ah, c'est un peu flippant, il y a un peu des cadavres. » Et de temps en temps, t'as une chance de tomber sur une bestiole, quoi. Ou la malchance de tomber sur une bestiole, question de perception. Mais ce serait un peu rigolo, quoi. Parce que là, du coup, j'y vais en vraiment en mode, bon, bah, de toute façon, y'a rien. De toute façon, y'a... Ah oui, c'est vrai, putain. Dur, dur. De toute façon, y'a rien. Et même là, je me balade avec mon flingue parce que ça fait du style. Mais en vrai, j'ai juste à me balader comme ça, parce que, bah, y'a pas de faune, y'a pas de flore, y'a rien. C'est un caillou. C'est un caillou, c'est juste un caillou. Il est pauvre comme un caillou. Du coup, c'est un peu rigolo. Comme un caillou. Pareil, on a toujours pas testé de fonder une colonie, mais j'attends de trouver une planète un peu sympatoche. Parce que là.
Ça a l'air d'être un peu des merdes. Et pour l'instant, j'avoue aussi que je sais pas comment on fonde une colonie. J'aurais bien aimé, par exemple, sur cette planète, pouvoir récupérer la mine abandonnée. Ça aurait été trop bien. T'as une vieille mine, t'as déjà une structure avec une tour. Tout ce qui va bien. Tu transformes les cavernes en champignonnières ou ce que tu veux. Ou au contraire, tu reprends les travaux de l'autre naze là, et donc tu exploites toi-même les champignons toxiques qu'il y a en bas pour fabriquer des médicaments, enfin voilà. Le souci, c'est que le jeu te donne des possibilités, mais il ne te donne que des demi-possibilités, parce que je suis certain que la colonie que tu la plantes comme dans Fallout 4. Je ne vais pas se mentir. Il n'y a pas de... On peut pas lorer la colonie, on peut pas apporter du lore à la colonie. Genre, là, il y a une mine, il y a déjà tout qui est installé. Hein. Je veux dire, les gars, ils ont de l'oxygène, ils ont de l'énergie, ils pressurent de l'hélium. Hein, donc, tranquille, dans le plus grand des calmes. L'endroit est très, très, très intéressant. Même si... Alors, ils pressurent de l'hélium, ou est-ce qu'ils tournent à de l'hélium, je sais pas. Mais, enfin, bref, ils ont de la ressource, ils ont du générateur. Ils ont une structure qui tient, ils ont quand même des outils, des grosses pelleteuses, ils ont une piste d'atterrissage, enfin au moins une zone où on peut se poser. Donc non, ça se fout pas de la gueule du monde quoi. Mais tu peux pas exploiter le truc. Et donc là c'est quoi? C'est caverne à flanc de colline. C'est genre un autre concept. Allons donc voir ce concept qui s'appelle... Non, c'est ça que je veux. Nouveau concept de grotte, une colline. Oh, c'est long, hein. C'est long, c'est loin. Là, ça aurait été trop bien, même, vous voyez, de se dire, allez, par la minimap, admettons, j'ai un petit... Alors là, j'ouvre un rêve. Hein. Là, vous êtes... Forcément, vous allez me dire, oui, c'est incroyable. J'ai un petit land speeder, voilà, que je peux pas réellement piloter, mais qui me permet d'aller d'un point A à un point B, genre, oh, je le regarde, je le vois dans ma lunette, je fais voyage rapide, paf, et hop, je monte sur mon petit jet qui est juste, enfin, je me mets sur mon petit jet, hop, paf, et il fait le voyage, et on suit le personnage comme ça, et il voyage jusqu'au truc, et pendant ce temps-là, tu peux tirer dessus, ou scanner d'autres trucs, si t'as envie, quoi. Fait semblant que c'est intéressant, et au moins ça se passe vite quoi. Et c'est cool, tu te dis ah ouais quand même j'ai une bécane même si tu peux pas la piloter. Tempête de sable. Enfin, un micro tempête de sable. Il se passe un truc quand même. Il y a un petit charme. Ah, on y est. On y est à la caverne de con. Let's go. Ah, caverne à flanc de colline. Il y a l'air d'y avoir des abhumains là-dedans. Des zumzum. Des zumzumains. Joli. Il y a des tourelles. Ah, une caverne de plutonium, du nickel. Très très intéressant. Très très intéressant. J'avais un morceau de nickel. Là. Ressources à moitié buggées dans les murs, hein, vraiment. Ah,
Quand tu prends des cartouches, la première chose que tu te dis, toi, c'est que t'es pas allé sur Mars depuis longtemps. Bah, c'est, ça, c'est concept, hein. Ça, c'est vraiment jouer à concept pour changer de vie. Voire de mort, je sais pas. Bah, du coup, je sais plus. Je sais plus si on joue au grand jeu de la vie ou si on joue au grand jeu de la mort, là. J'ai un doute, maintenant. Avec les déclarations de la madame. On va continuer ma spéléo, hein. On va revenir sur tes espèces de phases de campement. Ne laissez rien derrière vous. Un pistolet légendaire et qui est encore à chier, mais bon, c'est pas grave. Efficacité avant tout, très important. Ah ouais, le mini poêle portable, trop bien. L'idée de génie. On pourrait même dormir sur son. Est-ce qu'on peut dormir sur son? Trop bien, hein. Une petite herbe. On réintègre le monde terrestre. Ah, ouais, ouais, direct, hein. Direct pour le temps, hein. Quel jeu fort, hein. J'en ai jamais foiré, ou genre j'en ai plus. Enfin bref, hein, on y va. Ah, le rouleau de PQ, bien sûr, hein, le classico. Hein. Ah, le gars, il a peur du Covid, hein. Ma vie après croc. Il serait peut-être temps aussi que je vende des bouquins parce que je sens que je t'en trimballe les merdiers. Hein. On a l'argent travers en multicopie. Un autre calibre à la con, ok. Et je me demandais s'il n'y avait pas moyen de sauter là. Depuis. Alors on va y revenir. Ah pareil, je vois des emplacements de lumière qui sont éteints, c'est dommage, on peut pas les allumer. Je me suis pété la gueule. C'était super bien. Mais pour ceux qui ont un jetpack, c'est complètement jouable. Continuer par là. On va redescendre. On va voir ici. Donc ça, on peut pas l'allumer, par exemple, c'est un peu dommage. De ce que j'ai miné. Ok. Ok, ok. Ah,
tourelle par là. Mais arrête de bugger contre le coin. Pas beaucoup de l'or pour l'instant, hein. C'est voilà, dans une grotte, minière visiblement. Qu'un mec a plus de scotch que ton lot de PQ. Est-ce qu'on peut en déduire qu'il visait à automatiser l'endroit plus qu'à y vivre? Ou à développer une culture humaine? Ou simplement était-il là depuis si longtemps qu'il n'y a presque plus de PQ? Et qu'en fait du coup cette grotte est abandonnée? Je vois un câble. Est-ce qu'on peut prendre cette corde? Alors ça... Le jeu c'est dégueulasse. C'est-à-dire que t'es en train de me dire, en fait tu peux encore monter, mais... Tu me permets... Ah, si tu me permets peut-être de monter? Ouais, en fait j'ai rien dit, hein, ça va, ça va. Mais on peut pas servir d'une corde quand même, hein. C'est-à-dire que tu nous mets une corde sous le nez, mais on peut pas servir d'une corde, hein. Vraiment. Vraiment, on est un mineur de l'extrême, mais pas trop. Définition de l'extrême, mais pas trop. C'est tout. On combat des monstres, on va au fin fond de la galaxie, on prend des températures, des pressions, des attaques au poison, etc. Mais pas les cordes. Voilà. On est capable de construire un vaisseau, de designer un vaisseau, etc. Mais pas d'éclairer l'éclairage public local. Ça, non. Non, on n'a pas l'habilitation. C'est ça le problème d'être fonctionnaire, t'as vu? Pas habilité, pas travaillé. Voilà. Donc, mineur de l'extrême, mais pas trop. C'est du génie. Ça monte encore. Ah non, faut pas que je fasse ce saut là. Ah, vas-y, je vais encore me vautrer 25 fois. Mais je suis vautré. Utiliser le jetpack. Ouais, il faut utiliser le jetpack. Connasse, j'ai pas de jetpack. Attends, j'ai peut-être l'habilitation de jetpack, bouge pas. C'est technicien le jetpack. Certification de jetpack. Je passe ma certification dans une caverne au milieu de nulle part, mais les gens me croiront sur parole. Bref. Voilà. Je vais passer mon habilitation tranquillement dans une caverne. C'est le style. C'est le gros style. Alors, je vous avais dit mineur de l'extrême, mais pas trop. Quand même, on passe nos habilitations tout seul dans une caverne, mais on les passe. Alors, on est réglementaire ou pas? Hein? Qui me plombe le cul? Où ça? Ah, ici. Ouais, moi j'étais mort. J'étais mort. Elle est cool cette caverne en vrai. Ça change des autres. Et c'est quand même la caverne où on aura passé notre habilitation. Ça c'est quand même... Elle restera dans mon cœur. De soins, des trucs, des machins, des minous. Toujours pas croisé un humain. Par contre je sais pas... Je sais pas ce qu'il craignait le gars mais... Alors c'est parce qu'il s'est dit c'est son plutonium. C'est pas le mien. Attends, c'est un lit, je peux pas l'utiliser. Ah non, mais ça, j'ai le démon. Ça, c'est un lit que je peux pas utiliser. Il y a des restes de viande un peu partout, là. Cette grotte me rappelle la toute première que j'ai explorée près de Pavonis Mons sur Mars. Ouais. Il y avait des cadavres partout, comme ça. C'est pas mal, là. Surtout, j'aimerais bien savoir d'où sortent ces créatures, parce que je rappelle que la planète est techniquement inhabitée, hein. Slash inhabitable. Ok, la grotte me dit qu'il y a plein d'endroits où je suis pas allé. Ok. Je me suis déjà à moitié perdu, hein. Je cache pas que je suis un peu pommade.
Ok. Ouh, ça, ça sent la boîte. Est-ce qu'elle est verrouillée? Moi, je veux qu'elle soit verrouillée. Hein. Mais pas en mètre. Elle est verrouillée. En mètre, putain. Vraiment. Vraiment, mais... Vous avez récupéré un objet de contrebande. Il est illégal de les conserver sur vous ou à bord de votre vaisseau. Les vaisseaux de sécurité en orbite autour des grands ports spatiaux scanneront votre vaisseau à la recherche de contrebande et ne vous autoriseront pas à atterrir tant que le scan ne sera pas terminé. Vous avez une chance de faire passer de la contrebande sous leurs yeux. Si vous échouez, vous risquez une interpellation et une confiscation de cette dernière. J'en veux pas de ta contrebande de merde. Mais non. T'as compris, je voulais pas tirer dans au pupu laser. Hein. Donc c'est une crotte de contrebandier. Cache de contrebande, évidemment. Super. Donc là, si je vais voir dans mes nouveaux objets, j'ai ramassé un truc illégalissime. Batterie de positron. Je sais pas ce que c'est. Le truc, c'est que ton machin est illégal. Comment je sais qu'à quoi que c'est que ça. Hein? Voilà. Voilà. Technologie de Xenoguerre. Ah! Oui, effectivement. Oui, c'est marqué dessus, ça vaut 16 000 balles. D'accord, j'ai compris. J'ai compris, effectivement, le flou de cette affaire. Je comprends vos arguments. Je vous ai compris. Ok. Donc là, il y a les cavernes du bas. On appellera les cavernes du bas. Puis il y a les cavernes du haut qu'on appellera bah, les cavernes du haut. Voilà. Ou pour faire stylé, les hautes cavernes. Cette grotte ferait un bon refuge. Haut, quoi. Oh, c'est clair. Hein. Bon, on arrive sur le top là. Est-ce qu'on peut trouver le contrebandier et lui faire la quad? Ça fait longtemps que j'ai pas tué un truc. Ah, y'a personne à buter, ça me dégoûte. Oh. Pas très coopératif le jeu. Laisse-moi tuer des trucs, des gens, des machins, des bidules. Ah, bon, c'est pas grave. On a fait le tour de cette planète de con, je crois. Hein. Je crois qu'on est bien. Je crois que... Bon, on voit plus rien, évidemment, comme d'habitude. La structure, la foreuse, l'autre grotte. Ouais, ouais, on est bien. Hein. On est bien. Hein. Donc à partir de là, bah il me reste plus qu'un retour vaisseau. Hein. Et donc ça se fait sans vous. Et oui, vous êtes libre YouTube, profitez de votre journée pendant que moi je vais me faire chier à aller jusqu'à mon vaisseau. Oh, je vais me téléporter. Je vais me téléporter, c'est du génie. Et je pense que tout de suite après cette plate là, on fera sûrement la quête où il faut vendre des trucs chelous à un gars chelou pour le coincer, parce qu'à mon avis ça sera le moment d'aller vendre notre contrebande à Néon, la quête qui est sur Néon là. Voilà, donc je vous remercie, c'était Knafunk sur Code d'habitude Gaming pour Starfield et je vous dis à l'année prochaine.